Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le solo run versus avec un putain de Ludicolo fermeté niveau 70 qui a des stats absolument de merde. Sinon, il y a un mec qui s'appelle Vaé derrière qui fait un let's play où il est pas trop mauvais, bizarrement. En fait, les rôles sont inversés, c'est comme ça que ça marche ouais, dans ce genre de jeu. Bah, en fait, donc voilà. Tu fais avec Ludicolo ce que j'avais fait avec Fionn, sauf que Fionn il était un peu meilleur. Ah, excusez-moi, je viens de vous faire une merde à l'écran, vous allez rire, mais c'est pas grave. Bref. Et ben, bah du moi, coup. Dans rien à faire combat, pendant que moi je commence mon distraction, parce c'est que ça. Je vais me perdre. Parce que lui il connaît pas trop, pour donc pour y aller essaye de lire. Pour et parler de... à l'autre là. Ouais. Donc moi je refais le match, j'ai une stratégie qui est établie. Vous allez la comprendre. Donc, comme je le dis, Ludicolo niveau 70. Voilà. Il a les attaques suivantes. La stratégie c'est je me place avec un défense plus. En espérant que les autres Pokémon qui sont sur le terrain me fassent pas mal. Pour l'instant, ils m'attaquent pas, donc moi ça me va. Ensuite, je fais un vitesse plus. T'es dans le combat là? Super! Excellent. Quoi? Je suis mort. Quoi? Non, c'est pas vrai. Non, mais mec, je suis à plus 1 en défense. Dardarnian ouais. Me midlife sur une attaque. Je peux même pas me placer. Je peux même pas me placer. Petit coup de boule. Ah! J'ai perdu! Allez, salut! Bonne journée, à demain! En vrai? Oui. Bah, attends, attends, attends. Non, attends. En vrai, deux secondes. Y a un truc qui est très étrange, par contre. Quoi? Comment Dardarnian m'a dépassé alors que je suis à plus 1 en vitesse? Enfin, si, Dardarnian m'a dépassé. Attends. Non, mais je vais le refaire. Je vais le refaire. Laisse tomber. On va pas cheater. Bon, alors je vais faire un truc. Je reviens. Je vais aller m'acheter des choses. Je vais aller me racheter. Ah, mais non, mais ça s'achète pas. Je sais plus. Ça s'achète ces choses-là. Putain, mais j'ai pas envie de faire les allers-retours. Je vais voir si on ça s'achète. Qu'à dire que on a qu'à dire que c'était un test. Ah, bah, c'est 100% ce que je suis en train de me dire. Je vais juste voir si on peut acheter des objets de combat. Mais je crois que oui. Et si c'est le cas, je vais me placer à plus 10 000. Mais. Mais c'est... Enfin, ce que je peux faire, sinon je tue le Dardarnian et après je me place. Mais attends, je vais me laisser au moins 3 chances parce que sinon je vais jamais y arriver. Bon là, ça comptait pas parce que, attends, il y a quand même des circonstances. Le bordel, il m'a carrément défoncé. J'étais à plus 1 défoncé. Et tout, et... Et il s'en battait les... Elle nous suit toujours, Cynthia? Non, non. Bah non, justement. Ça serait trop facile. Ah ok, si on refait ça, on rend des trucs. Je teste des trucs. D'accord, j'ai... Je sens que ça va être le bordel. Ok, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Maintenant, je suis paré. Bon, alors là, si... Non mais, j'ai quand même un Pokémon niveau 70 et je me fais gérer, quoi. Crispolé, mais je m'en bats les couilles de Crispolé. Ah, mais il est là. En gros, au début, t'as Cynthia et. Ouais. Mais en fait, tu la croises à plusieurs moments. Mais... Bon. En fait, le concept, il est assez simple. Au début, faut trouver le chemin. Après, il y aura une espèce de petite interaction avec les Crés à faire. Qui est pas très ouais. Compliqué. Mais enfin, il y a un chemin. Précis à suivre quoi, c'est un peu chiant en fait. Quand tu le connais pas, c'est chaud. Bref, moi je vais essayer de gagner ce match. Putain, mais si je gagne pas là en me plaçant et tout, bah alors là, je pense que je prendrai Junko hein, si je perds, parce que Corbeau c'est quand même meilleur. Et... Je vais pas te prendre tes meilleurs poké. Bon, ben, je pense que c'est Junko qui est mieux parce qu'il tient plus. Bah, comme tu veux. Tu me diras après, Corbeau sera meilleur pour battre. Par contre, si je perds et que je te prends un poké, je le mets niveau 90. Hein, j'en ai rien à foutre. De toute façon, même niveau 90, ce Corbeau, je suis sûr, il se fait défoncer par Dardarnian. S'il a le temps d'attaquer. Putain, mais mec, j'y crois même pas quoi. J'étais à plus 1, wesh. À l'aide. Putain, mais c'est chelou.
Au secours, quoi. Non, je voulais pas aller là. Je voulais aller là. Allez, Ok, je suis arrivé. Je re-sauvegarde quand même. Parce que j'ai dit que je me laissais deux chances encore. Donc là, c'est la deuxième tentative. Plus ou moins. Moi, je suis en train de me balader. Hein. En vrai, non, je vais tuer le Dardarnian. Voilà. Ok. Comme ça, au moins, je sais que lui, il me fait rien. Ah mec, c'est un bugger. Et elle envoie ma scène. Donc là, je commence à me placer. Donc défense plus. Et lui, là. Ensuite. Redéfense plus. Parasport, c'est pas grave, je m'en bats les steaks. Vitesse plus. Putain, mais il est sérieux? Mais non, mais c'est une blague. Mec, le Poké... NON! Mais je peux pas gagner! Mais c'est impossible de gagner! En fait, c'est impossible pour... Je peux pas gagner avec un seul Pokémon. C'est impossible. C'est impossible. Il y a quoi? Il a fait Cyclone! Du coup, là, ça m'a fait Switch. J'ai même pas le droit de l'utiliser, ce Pokémon. Normalement, je devrais switcher. Voilà, je vais le laisser mourir, parce que sinon, il y a même plus de jeu. Mais ouais, wow, mais c'est quoi ce combat? Mais du coup, je peux pas gagner puisque j'ai perdu tous mes boosts. Qui c'est qui a fait Cyclone encore? Bah, le Mascadra. Mec, il y a pas. Le problème, c'est pas que. C'est même pas le Mewtwo le problème. Le problème, c'est les autres Poké en fait. Et alors le rival il sert à rien, tous ces Pokémon se font one shot. Okay, je crois que je suis tout seul. Ah non, il lui reste des Poké, ça. Ok. Je vais faire un... Ouais non, faut que j'attaque en fait. Je vais faire Hydrocan. Mec. Quoi? Je suis dans le monde distorsion et là j'ai trouvé Helio, je fais quoi? T'as trouvé Helio? Bah tu me parles? Ouais. Putain, j'ai... Ouais mais là... j'ai battu Mewtwo. J'y suis bientôt? Non. Bah déjà t'es arrivé jusque là, c'est pas mal parce que la première partie est assez chaude. T'as fait au pif un peu ou je sais pas comment t'as fait? Je testais différents trucs. Bah... Si t'es arrivé à Helio, bah tant mieux. Bah continue. En gros, tu vas bientôt arriver. Alors là, c'est pareil, il y a un peu de, il y a un peu d'hésitation. Je saurais pas t'indiquer où c'est là. Ok. Il me semble que c'est sur la droite. C'est bon, j'ai gagné. Mais bon. Ah bon? Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Bah, j'ai un peu utilisé, Sablero, mais je m'en bats les couilles. Bref. Donc du coup, vous avez les animations sans lag. Bon, full accéléré parce que. Ah, il y a deux couilles qui spawnent. Lol, c'est drôle. Parce que bon, à un moment donné, faut qu'on avance. Bref. Putain, si, en fait, je suis bête, il y a encore un combat. J'avais oublié ça. Putain, mais comment on va faire? Eh ben, va falloir prier très fort et serrer les fesses. Contre Helio? Ouais. Parce qu'on va raffronter Helio avec 5 Pokémon. Niveau 60. Ah ok. Vas-y, t'attends quoi? Quel est cela? Oh, un Giratina apparaît. J'adore cette scène, j'adore ce jeu. Ce jeu est génial. T'as Giratina qui apparaît, qui saute à la gueule. Tain, lin, lin. Il le respecte pas. Tain. C'est très cool en fait. Mais j'ai mis en full ralenti. Je suis en x0.25. Attention, il va sauter. Il va sauter. Il ouvre la bouche. Il est en train de la bouche. Il a ouvert ses griffes. Il m'a sauté à la gueule. Putain, en accéléré, ça va vite quand même. Bref. Enfin, en décéléré, je veux dire.
Bref, Créelfi rentre dans le monde distorsion, Créfané rentre dans le monde distorsion, Créfolé vient me voir avant de montrer dans le monde distorsion. Wouhou, j'ai Créfélé, wouhou. Allez. Allez, je suis face à Créel. Cynthia raconte sa vie. Donc là, t'as compris le concept, il faut mettre les rochers, tu sais, il faut utiliser force, il faut mettre les rochers dans le truc qui est devant le cri. Alors ce que tu fais, tu fais tomber les rochers en bas. Et tu fais ça pour les trois. C'est-à-dire que d'abord tu vas faire tomber celui de Créelf, après tu fais tomber celui de Créfolet. Et celui de Créfadet, faut que tu passes par un. Ça va être un peu le bordel en fait. Comment c'est lequel est acquis? Bah globalement, en fait quand tu le fais tomber, ça va à côté de lui, donc Là je vais juste en faire tomber un, voilà, ensuite. Ensuite fais tomber celui de Créfadet. Après du moment qu'ils sont en bas, après c'est bon, tu leur mettras dans leur trou après. Okay. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Non. Ok, ça fait pas mal. Allez, ça va, j'ai l'impression que pour l'instant je galère pas énormément. Ouais, non, bah après ça va. En fait, t'as fait les plus compliqués à trouver les chemins, quoi. Après, c'est. Enfin, il y en a encore un, mais ça va. Si t'as réussi à trouver les premiers, tu vas trouver ceux-là. Ah, il y a Créfolet qui vient me parler. Ok, bon, on peut tomber. Tac. Bon. Je peux aller là. Ouais, c'est bon. Et là-bas aussi. Là on descend. Ah merde. Là on va là. Ouais, rares sont ceux qui ont connu Giratina, nous sommes dans leur monde. Comment expliquer qu'on marche sur les murs et tout? Bonjour petit. Ouais, tire-toi. Oui, tu veux le caillou. Allez, je vais te donner le caillou. Pidoukou, je suis Créfolet. Easy. Ah, après, ouais, après c'est là-bas qu'il faut aller pour l'autre, je pense. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ça va, je suis descendu. T'en as accéléré? Ouais, bah oui, bien sûr. Je suis à Helio, là. Salut. Le Pokémon de l'ombre. Oui. Ok, je peux rien faire bon. Ah si si, non. Je suis con, fallait aller là. Ah non, fallait pas aller là-bas. Là-bas je peux pas passer. Oh là, il est aller en train de partir dans des explications, il parle d'ADN et tout, je sais pas ce qu'il nous dit, mais c'est ennuyeux en tout cas. Allez, barre-toi. Du coup on va. Le repousse s'est dissipé, pas grave. Du coup là faut aller là je crois. C'est ça, c'est lui. C'est ce véhicule là que je veux. Ah, j'ai un Giratina qui est passé au-dessus de ma tête. Ah, au secours. Ah, c'est bon, t'avances. Non, mais il y a un truc qui disparaît, c'est tout. Il y a Créelf. Ah, non. Il m'indique qu'il faut descendre le rocher, incroyable. Allez, force. Non, parce que quand tu vois Créelf qui apparaît, après tu fais force, tu fais tomber le rocher. Et il est juste à côté, en fait, tu le vois qu'il est à côté. Après tu vas sur le truc, t'as Créfolet, hop. Et il te fait coucou. Mais... lui il est gentil, Créfolet, il te tourne autour, après il t'explique carrément qu'il faut descendre le rocher. Quoi. Ah, ok, c'est là. Hop. Donc là tu le fais tomber ici. Ouais, les arbres, c'est un peu space. Je viens de faire le tour des arbres pour rien? Non, non. Bah si. T'es où là des arbres? T'es où à peu près des arbres? Et bah là je suis tombé, je peux ressauter sur la plateforme où j'étais au début. Ah mais non, il y a Helio. Mais non, oui voilà. Si c'est... je le vois en fait. C'est pas la même. Je fais quoi maintenant? T'as... Mais non mais... Mais what? Mais... T'es sûr... c'est pas la même plateforme en fait. C'en est une autre. Et là, je suis sur la mauvaise plateforme. Bah en fait, sur la plateforme il y a 4 pierres et le rond il est au milieu. Non mais moi là je suis vers les arbres. Bah va sur la plateforme. Donc apparemment c'est... Moi là je vois Helio, je suis sur la bonne plateforme, je vois Helio là. Moi là je remonte. Après Helio. Oui voilà c'est ça, bah tu montes là. Normal, ensuite tu vas à gauche. Et tu descends. Et après tu revas à droite. Et tu vas... Oh putain les lags que ça fait. Et après tu vas atterrir sur une autre plateforme, en fait le véhicule est exactement le même et tu vas descendre au niveau d'Helio. Ok. Moi j'y suis là.
D'ailleurs, quand t'arrives vers lui, il se barre. Après, il faut faire surf. Il y a Rogiratina qui te passe à la gueule. Ensuite, il faut marcher sur le mur. Et sur le plafond. Il faut faire surf. Après, il faut faire cascade. Ah oui, c'est barré. Cascade, on n'a pas. Hein. Non, mais en fait, il y a une cascade à descendre, mais t'as pas besoin de cascade. Un peu bizarre. Et voilà. Et après, t'arrives au, t'arrives au dernier caillou. Ah, j'ai raté. Bah. Allez, cours, ta mère. Merci. Créfadet. Wouhou. Donc, je rappelle, Créfadet, après, on pourra aller le capturer. Mais ok, peut-être, la question peut-être, qu'on va la peut-être dans cet épisode, en fait. Et voilà, moi j'ai fini. Donc quand t'as mis le caillou de Créfadet, après tu revas sur la plateforme du milieu et tu descends. Et après tu mets les cailloux dans les bons trous à chaque fois. Donc comment pour prendre la cascade? Ah ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, avance. Il est long. C'est pour ça que je suis en accéléré. Hop. On descend de la cascade à d'autres tartares. On descend de la cascade à d'autres tartares. Voilà, j'ai fini. Ok, bah tu me guides là où je suis. Ah ok, il y a un caillou. Bah voilà, attends, mais là je suis en train de descendre la cascade en fait. Là tu fais tomber le caillou. Enfin, tu vas faire tomber le caillou, tu vas voir. Ah, Pokémon sauvage. Qu'est-ce que j'ai? Arceus. Ah. Non, non, le Pokémon sauvage ici, il y a que Giratina. Et je vous dis, pour Giratina, moi je vais prendre la Master Ball direct. Ouais, vais... non, et moi aussi, je crois que je me pose des questions avec un seul Pokémon. Déjà, je sais pas si je vais battre Helio, alors. Voulez-vous utiliser Force? Oui. Allez. Une fois que t'as fait ça, bah tu vas à droite et tu vas sur la plateforme du milieu là pour pouvoir descendre. Là, je viens de faire force, donc je vais à gauche. Voilà, et à gauche, il y a la plateforme. Donc là, tu peux descendre maintenant. Ah oui, il y a tous les Pokémon. Et maintenant, tu te trompes pas, tu vas en haut, tu vois Créelf, tu mets bien le truc qui est dans le trou à côté de Créelf, pas dans celui où il y a à côté du caillou. Tu te trompes pas. D'accord. Et après, tu fais pareil pour les autres. Sinon, ça fait quoi, on doit recommencer? Ouais. Bah tout, si tu te trompes pour Créelf, c'est pas grave, t'as juste à remonter et refaire force, mais par exemple si tu te trompes pour Créfadet, bah là tu dois tout refaire, donc c'est un peu chiant. C'est bon. Créfadet. Après, oui, t'es content, à gauche t'as Créfollet, et à droite t'as Créelf. Merde, attends. Gauche. Créfollet. Oh là là. Un peu fatigué. Et après, quand j'ai fini Créfollet, je vais en bas. Bah, après, tu vas. Non, tu fais Créfadet qui est à droite après. Il est tout à droite. Follet. Là, il y a Cynthia en plus. Ouais. Ah, bah, lui, bah, là, ce caillou, il est dans le bon trou. Ouais. Boum. Pousse-moi ce caillou. Et après, bah, après, faut aller parler à Cynthia. J'imagine que les Pokémon des lacs sont rentrés chez eux. D'après ce que j'ai compris, ils veulent contrebalancer la force de Palkia et de Dialga. Est-ce que cela signifie qu'ils en sont incapables face à Giratina? Trêve de bavardage, il n'y a rien. Et là, c'est incroyable, il y a un TP qui spawn derrière elle. Damn. Et là. Ah, il va host Tug, elle a sauté par-dessus le vide. J'arrive. La bombe. And now it's time to battles with Helio. Pourquoi chercher à changer le monde? Si tu détestes à ce point, quitte-le. On te retient pas. Hein. Attends. T'es moche. Faut qu'on lance en même temps. Deux secondes là. Ouais, t'inquiète. Cynthia, nous y sommes. Giratina est par là. Putain, mais en fait, j'ai fait tranquille le monde disto. Ouais, ça va. C'est un peu complexe. Après, ça va encore. Déjà, je suis étonné que t'aies trouvé la première. Enfin, après, t'as peut-être un peu de la chance, mais bon, après, c'est. En soi, il n'y a pas trop de chemin piège, quoi.
Je parle à Elio. Ok, moi aussi. Jamais de la vie. C'est bon, je commence le combat. Personne. Toi, c'est un excès. T'es en train de l'affronter là? Ok. Ouais, ouais. Moi, ça a commencé. Ok, premier Pokémon. Il a quoi? Il a quoi? Ça passe. Ok, ok, ok. Ça c'est parfait. Je peux me setup là-dessus. J'irai pas jusqu'à me setup peut-être. Mais... Bah moi, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai un Poké. Je prends pas le risque. Tu ne spoilais pas ce qu'il y a. Sachant que j'ai plus de défense plus, donc je peux me booster que sur le spécial. Parasport. Ça tombe bien, t'as le SP là. Toi, tu as calmé en fait, je pense. Tempête verte. D'accord. Oui, je t'ai dit, ça tombe bien, t'as sur le SP. Putain, ça lui fait que ça. Allez, vitesse plus. Vitesse plus, je vais en mettre 2 parce que, bon, vu la vitesse de mon Pokémon Zenith. Ça c'est un peu pénible. Ah oui, Zenith moi aussi. Ah oh, mais il fait les mêmes attaques en fait. Putain, je suis paralysé. Et je vais refaire un vitesse plus en fait, comme ça au moins je suis sûr de dépasser tout le monde. De toute façon, faut que je finisse la... Faut que je stole le Zenith, donc bon. Là je vais utiliser une guérison, j'espère que j'en ai une. Parce que bon, la paralysie c'est un peu chiant. Ouais, ok, il m'en reste une. Allez, guérison. Je suis en train d'accélérer le combat là. Ouais, t'inquiète. T'as battu Jolifleur? Non, non. Okay. Mais j'ai juste mis le combat en accéléré. Wow, il a crit cet enfoiré. J'en étais sûr qu'il allait me crit. Heureusement que ça tue pas. Hein. Et ça fait mal. Hein. Heureusement que je suis niveau 70. Putain, il refait parasport, mais quel chiant. Ah, il a fait guérison. Total soin. Alors ne me recrite pas s'il te plaît. Et il refait Zénith. Putain l'enfoiré. Bref, allez, petit coup de boule. Je crois en toi, gogo danseur, tu peux le faire. Quoi? Pardon? C'est une plaisanterie. Bah je lui ai littéralement enlevé 30% de sa vie. Ok, je suis paralysé, je peux pas enlever ma paralysie. Je crois que je vais racheter de ce jeu. On est à un stade où ça commence à être très compliqué de jouer. Mec, je fais comment là? Putain, mais à l'aide. Sans déconner, j'ai rien pour enlever la paralysie là. Le deuxième Pokémon qu'il a, il est fort, mais ça va. Putain, mais ça m'énerve, j'avais des objets moi dans ma partie aussi. Oh non, merde, non, il va m'enculer. Ah, moi c'est joli, je suis boosté dans tous les sens, mais je suis para. Et il utilise mais une guérison. Non putain. J'ai Rhinophéros qui est mort. Moi aussi j'ai une Deathspin. Putain, ça me casse les couilles. Allez, meurt. Bon, je crois que j'ai tué Jolifleur. Mais putain, mais il est défensif comme jamais ce truc là. C'est n'importe quoi. Nidoqueen. Ok. Putain, fait chier. Intimidation. Non mais vous foutez de ma gueule en fait. C'est de l'abus là. La para. Allez. La deuxième para. Évidemment. Ok. Ah non, il a laissé ma défense. Allez, hydrocanon. Allez, attaque. Yes. Allez, meurs. Je suis à plus un attaque spé non, avec l'eau mystique. Du switch, mec. Je switch, il switch en même temps et ça fait un truc avantageux pour moi. Ah. Non, il a ça. Un petit coup machine machination. Corbos machination, lol. Allez, hydrocanon. Bah oui, la machination, bien. Bah le sien aussi. Je l'ai défoncé. Merci, okay. Coup critique. Oh non, c'est chiant ce Pokémon. Méga sensu. Paralysie, évidemment. Amnésie. Oh non, il va être intuable. Méga sensu. Oh putain, les dégâts. Repli. Mais non, mais il a tous les trucs de axe, il a tous les trucs... Mec! Quoi? Je suis en train de me faire stall break par un Flagados! Moi, je l'ai tué, c'est bon. Bah moi, il est en train de se booster dans toutes les stats et il a de quoi se soigner et je suis paralysé, donc je vais me faire pépé stall. Non mais attends... Il faut que je crit, si je crit pas, je peux pas le passer.
En vrai, ce serait grave bien mis coucou, il a s'il avait pas fait le con. Enfin non, en vrai, il faut que je me booste encore plus en attaque spé, quoi. Je me mette à plus 3. Rentardine. Ok. Faut juste pas que je me baisse, s'il te plaît. Yes. Allez, méga sensu. Paf. Ok, ça va, ça fait des dégâts décents. Méga sensu. Ouh là là, ça fait mal, hein. Méga sensu. Allez, plus qu'un. Non, il s'est soigné. Méga sensu. Non, mais il spam soin. Mais arrête de faire ça. Non. Non. J'aime pas ma vie. Oh, mais il est beaucoup trop fort, ce Corboss. Et le dernier Pokémon, c'est une grosse merde. Méga sensu. Ah mec, le dernier Pokémon, franchement, il est donné. Ouais, ouais, moi, faut que je passe Flagados, d'abord. Hein. Parce qu'il spam soin, et des PP de méga sensu, j'en ai plus. J'ai gagné, mais j'ai perdu Rhinophéros, je suis dégoûté, putain, j'aurais pu avoir Rhinastop, quoi. Ah mais je m'en fous, j'aurais qu'à le quoi, putain, j'ai perdu le Respicité, si je peux. Je fais le dialogue, non, je t'attends. Putain. Bah, fais le dialogue, si tu veux. Ok. Ne va pas t'imaginer que tu peux vaincre ou capturer ce Pokémon. Mais j'ai une Master Ball, PD. Mec, je peux pas le passer. Que tu m'as donné d'ailleurs, je crois. Ce monde bizarre n'est autre que la. Attendez là. Ce monde bizarre n'est autre que la créature elle-même. Le vaincre ou la capturer provoquera sa disparition. Oh, et puis après tout, fais ce que tu veux. Plutôt que de préparer le monde, tu feras pas que. Tu feras que. Yes, j'ai crit. Love Disc. C'est quoi ça? 58, son boss, c'est un Love Disc. Lol. T'as vu? Mais wesh, arrêtez-le ce mec. Oh putain, bah heureusement. C'est le Pokémon que le monde attendait. Et tes proches aussi. Les gens et les Pokémon viennent en monde parce qu'ils ont un rôle à y jouer. J'en suis convaincu. Giratina disparaîtra pas plus que le monde distorsion que notre monde. Allons à la rencontre de Giratinoï. Il nous faut d'abord que je m'occupe de soigner ton équipe de Pokémon. Ta-ta-ta-ta. Mais putain, j'ai ce putain Rhinophéros, quoi. Bah je crois peut-être. Je sais pas qui c'est que je ressusciterai. Je verrai. Mais franchement, mais Corboss, mais ce Pokémon, je pensais pas en le capturant, mais il est génial. Ok. Il a tellement fait ça. Bon, attention, préparation pour un combat compliqué. Wow, Giratina, Groar. Wouh. Il est shiny. Non, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Master Ball. Attrapé. Putain, je suis trop fort. Attends, Groar, Giratinouille. Ah. Donnez un surnom à Giratina. Oh ouais, je vais lui donner un surnom. Non, je m'en bats les couilles. Mais il est où ce con là? Ah, ok. C'est bon, je l'ai attrapé. Allez, mais pas moi, je sais pas où il faut que j'aille là. Je vais tout droit. Ah, il a un objet sur lui. Fonce-moi dessus, PD. C'est bon, il est là. Et du coup, Helio, il va rester à vie dans le monde distorsion. Normal. Ok, on est à combien? 28 minutes. Ok, alors là, normalement, on a deux zones à faire. Et Groar! Et putain, ouais. Trop bien. Normalement, on a deux zones à faire. Deux secondes, moi je fais la Giratina. Mince, je sais pas si on peut la faire. Si, on peut la faire normalement. Normalement, on peut. J'espère. Putain, je suis pas sûr. Bon, il y en a une, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai qu'il a rivalité Giratina. Master Ball. 1, 2, 3. Et du premier coup, j'ai capturé Giratinouille. Je vais l'appeler Giratinouille. Ok, alors on a une zone déjà. Donc, c'est celle où je suis actuellement. Et après, il y a la grotte où est Cynthia, là. Et, mais ça, du coup, cette grotte, bah... Oh non, il n'y a pas la place. Si, pas attends, je vais mettre en Y. Tu me dis quand t'es sur la zone. Là, il y a Cynthia qui vient parler. Oh la vache, mec. Je sais pas comment j'ai fait pour battre ce Pokémon. J'ai capturé. Ah oui, il est dans ma team en plus. Ouais, moi aussi. Perso, je le garde alors. Ouais, bien sûr. Silence. Allez, s'en bat les couilles, s'en bat les couilles. Juste. Oh putain, j'ai perdu Rhinophéros, c'est chiant. Ça va, on va avoir pas mal de zones là. Ouais, mais c'est fort. Entre cet épisode et l'épisode d'après, on va en avoir plein.
Ah bon? Bah, à partir de... Bah, oui. Bah, là, on en a... Allez, là, mais je m'en bats les couilles. Là, on en a une, minimum. Après, je pense qu'on peut en avoir une autre. Et si on a le temps, on ira peut-être... Je pense qu'on le fera au début de l'épisode prochain. On tentera d'aller capturer Crefadet. Pour pouvoir ressusciter un autre poké. Ça y est, t'es dans l'herbe. En gros, les zones, il y a où il faut faire escalade et la grotte où elle rentre. C'est ça, mais la grotte, je sais pas si on peut y aller avant la ligue, mais on verra. Bref, je suis dans la zone. Alors, okay, qu'est-ce que j'ai pas mourir, allez, un bon poké, un bon poké, un bon poké. Bravo, gagné. C'est quoi? Mec, mais arrête, je me parle un peu. Est-ce que c'est pas le pire Pokémon du jeu? C'est quoi? Je sais pas, essayer de citer les Pokémon les plus nuls du jeu. Junipo. Culbutoke. Putain, trop bien. C'est de la merde. Je sais pas quel talent il a, mais j'ai hâte de voir ça. Culbutoke, non. Oh mais... Moi j'ai Broabam. Il fait prélèvement du destin, au secours. Ah mec, moi j'ai Broabam. Putain, bien. Ouais, fais pas chier que le Culbutoke de merde la rentre. Putain, mais je suis dégoûté, putain. Non. Mais mec, j'ai un Culbutoke. Mais non. Mais mec. Par contre, faut trouver un moyen de le faire rentrer. Est-ce que j'ai le droit de l'échanger contre un Pokémon de maths? Mais arrête de faire ça. Je vais faire Torgnol. Mais non, je rate l'attaque. Je l'ai attrapé. Attends. Moi, il faut que je le. Je l'affaiblisse avec Torgnol. Non, c'est bon, ça tue jamais. Putain. Deux. Et il a un objet sur lui encore. Et il avait la dent océan, lol. Ah bah ça, c'est le meilleur talent qu'il pouvait avoir. Super, allez, casse-toi, tu sais. Il a quoi? Il a mauvais rêve. Il a quoi? Il a mauvais rêve, super. Allez. Ce jeu est maudit. C'est bon, touché 4 fois, là je pense que je vais pouvoir le capturer. Moi par contre je vais pas pouvoir avoir son talent tout de suite parce que j'ai Giratina dans la team. Mais par contre Giratina il a un super talent. Ouais, rivalité, on aime bien. Rivalité alors qu'il a pas de sexe. En fait je vais pas dans le PC tout de suite, vous verrez dans le prochain épisode qui j'ai ressuscité. Non mais d'où il sort? Moi, je vais voir lui. Mais d'où il sort? Allez, mets-le, rentre, bordé. Oui, je sais. Bon voilà, c'est bon, je l'ai. Vol. J'ai bois même. J'ai. Après, tu voles à Litorella, faut que t'ailles parler au professeur. Toi aussi, GG, pour que le but ok. Wow, super. Franchement, je suis content. T'imagines même pas... Je vais l'appeler Tapage. T'imagines même pas à quel point je suis heureux d'avoir attrapé ce Pokémon formidable. Absolument inutile. Encore, il aurait été shiny. Il aurait été shiny, je l'aurais échangé contre un Pokémon que j'avais déjà eu. On a le droit? Bah, moi je le considère comme ça. Bah, la shiny. Il y a la shiny clause donc. Putain, mais ce dresseur là non plus, tu l'avais pas fait? Oh, t'es relou. Comment ça? La shiny clause, c'est. Même si je croise un shiny random dans une zone que j'ai déjà faite, j'ai le droit de l'attraper et de le prendre dans ma team. Donc, si c'est un Pokémon absolument nul. Putain, y'a un Mew quoi. Bon. Lol, il est même pas mort quoi, mais à l'aide quoi. Je suis niveau 71 et je le one shot pas le Mew. Il est niveau 30, bordel. Bref, moi je vais à Litorella. Bref, Ludicolo quoi. Moi je vais check en attendant si on peut faire l'autre zone. Moi je ressors Pokémon, je vais ranger Rhinophéros, Giratina et bah, est-ce qu'on a encore besoin des CS? Source à pas Dieu. De escalade en tout cas. Bah on en aura besoin pour la route victoire, mais là non, on en a pas besoin tout de suite. Enfin escalade, donc, ouais, bah escalade ça dépend si on peut faire la zone que je vais check là, enfin la grotte quoi. Ok bah je garde le Picker Up. Mais là il faut que je range bordel. Putain, il y avait Kaiminus dans la zone là, putain. Brave, déplacé. Putain, il y avait Voltali, mec, il y avait des Pokémon bien. Giratinouille. Enfin, non, je vais pas le mettre dans la boîte des morts quand même, Giratinouille. Ouais, tout le monde.
Ouais, non, on peut pas faire la zone. Fais chier. Bon, et ben du coup... Voilà. Fermé. Bah, du coup, 35 minutes, on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Ouais, je vais voir le talent. Juste avant, je regarde le talent de Robin. Ouais, bah ouais. Alors, il est solo. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, un peu. Plus attaque. Mais... Il a quoi? Un sommier. Ah, lol. C'est pas un... Bah, bon, bah voilà quoi. Bref, bah j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je suis encore vivant, toujours avec un peu... Enfin, cul butoqué quoi. Bon, on a capturé Giratina, bien entendu, donc on va pouvoir ressusciter chacun un Pokémon. Vous verrez dans le prochain épisode qui c'est. Voilà, donc bah, sur ce... Bye tout le monde. Salut, salut.